Bonjour à tous, bonjour à tous les amis, c'est Aventureman toujours prêt qui présente un nouvel épisode de notre aventure sur le voyage des Homoculus. C'est parti! Bref, la dernière fois les amis, on s'était arrêté là. Nous devons absolument chercher la perche des élus qui sauvera le maître Fuji qui a perdu la raison. Bref, je vous remets la quête juste ici et on est parti! Le pas de course est désactivé, donc il faudra faire gaffe aux murs parce que les murs sont hyper chauds. Je vois déjà qu'il y a quelques coffres, les amis. Donc nous allons nous les dépêcher de les prendre. On va visiter toute la zone parce que j'ai pas mis que ça comme coffre. Ouais, ça fait un moment qu'on n'avait pas croisé de coffre, les amis. Donc il fallait absolument que je mette des coffres ici. Faut être prudent hein. Si je touche le moindre mur, ça va faire mal. Alors il n'y a pas dans toutes les trucs que j'ai mis, il n'y a pas les murs ne sont pas tout chauds hein, les amis. J'ai fait en sorte de mettre ceux où est-ce que les PNJ ont potentiellement la chance d'être touchés, même quand on fait pas le pas normal. Non mais j'arrête pas de toucher le mur. Quoique je peux le faire maintenant après tout. Minute. Alors, music player. Alors la musique normalement qu'on devait avoir les amis, elle est en bas. Voilà, vous en profitez aussi pour regarder la liste. Ça vous donne à peu près toutes les musiques où est-ce qu'on a été utilisé. Alors certaines n'ont pas été utilisés parce que je les ai pas enlevés, j'ai obligé de mettre dans ma playlist les musiques interdites parce que certains je ne peux pas les jouer. Alors elle est tout en bas, où est-elle? Non, c'est pas celle-ci. Ah voilà le problème, c'est pour ça. Elle n'a pas été enregistrée parce que le moment où j'avais fait le test, et ben la musique n'a pas été enregistrée dedans. Bon, c'est ça. Bon, pas de panique les amis, on va remettre la première scène qu'on a utilisée au départ. Pour éviter des droits d'auteur. Je sais où elle est au début. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Non, c'est pas celle-ci. Bon, c'est pas celle-là non plus. C'est la même chose, c'est... Où est-elle? Sinon, je serais obligé de mettre... Ah, là, voilà. Alors... Ah, ça marche. Oui, c'est bon. Voilà. Rectification terminée. On continue les amis, la sortie est juste là, mais j'ai encore des coffres à aller chercher. Ouais, il faut fouiller un peu partout. N'inquiétez pas, ça nous a juste pris 3 minutes pour trouver la musique. De toute manière les amis, en ce moment j'enregistre au moins 25 minutes parce que si... Non, après on n'avance pas. J'en remarque qu'on fait un peu de surplace et que ça devient un peu ennuyant. Ouais, même moi qui me mets à la place du spectateur, je me rends compte qu'il y a quelques passages ennuyeux. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Enfin, normalement, on devrait avoir aucun problème. Peut-être pour le premier combat, la musique sera coupée. Mais pas pour la seconde, celle-ci c'est bon. J'ai peut-être encore utilisé les données du test, c'est peut-être pour ça. De toute manière, même si je faisais avec... si je refaisais le test, là, on aurait pu retrouver la bonne musique. Comme ça devenait un peu embêtant d'utiliser tout le temps les mêmes musiques, c'est pour ça que je voulais un peu la changer. Mais au dernier moment, bah, j'avais trouvé une superbe musique et ben, j'avais oublié que j'avais déjà fait un test. Ça devient vraiment embêtant. Pour faire avec. Oh,
Ok. On s'est pris de lourds dégâts. Ça fait mal. Utilisons une compétence magique pour se soigner. Voilà. C'est beaucoup mieux. Waouh, j'ai à peu près 6000 jetons. Je me suis encore fait toucher. Bon, je crois qu'il faut que je grimpe par là, en fait. Oh, il y a un autre coffre là-bas. Ah, faut vraiment bien avoir l'œil partout, les amis. Hein. Ah, un autre cristal multifonction. On va l'utiliser, vous inquiétez pas. Et il y a le dernier coffre là-bas qu'on doit aller chercher. Et après, on retournera là, la zone où est-ce qu'on doit passer. Ce monstre de flamme devient vraiment embêtant. Pourquoi tu utilises résurrection alors que t'as même pas aucun allié? Allez hop, il va au moins nous embêter maintenant parce qu'avec ses dégâts flammes, ça commence à être un peu embêtant. Donc je suis obligé de le paralyser. Et voilà. Allez, le dernier coffre. Il est par ici. Le voilà. Ouf. Ça y est, on a tous les coffres, les amis. Maintenant, on peut avancer. Si ce monstre de flamme ne vient pas toutes les 5 minutes. Oh. Je vais l'aveugler. Et on y va. Ah, il devient embêtant ce monstre des flammes. En plus, il me fait perdre du temps là, à force de venir toutes les 5 minutes. Je sais qu'on a besoin d'entraînement les amis. Oui, mais parfois le système il en fait qu'à sa tête. Normalement, il y a un nombre de pas, comme je dis à chaque fois, qui est programmé. Vous pouvez programmer le nombre de pas que vous voulez. Normalement, j'ai programmé un nombre de 80 pas. Mais bon, parfois le système n'en fait qu'à sa tête. Il ignore la commande. Je me suis encore pris le mur. Et on y va. Waouh, on a descendu là. On est sur l'étage moins 1. Toujours le pas de course est désactivé, les amis. Donc on ne peut rien faire. Oh, des coffres. Des baies. Ok. Encore des baies. On peut pas passer par là parce que les coffres gênent. On est obligé de faire le tour. Ah, un autre coffre par ici. Faut fouiller un peu partout. Et oh, un panier repas. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Un autre panier repas. Génial. Il y en a qui pourra restaurer tous les points de vie de l'équipe. Un autre. Trop bien. Il y a un autre coffre là-bas. Et nous avons trouvé l'échelle, les amis. Je regarde juste de l'autre côté s'il n'y a pas un autre coffre et après on avance. Ah si, il y en a un. Ah, et le monstre de flamme revient. Ah, bah dis donc. Il veut pas me nous laisser tranquille, hein. Allez. On bouge plus.
Il me manquait un peu de... Le point de magie avec Idriss, là, j'en ai beaucoup trop utilisé, voilà. Allez, hop. Boum. Allez, encore. Oui. Oh, Nice a pris un niveau supérieur, il peut la prendre Frapdo. Yeah. Oh, il y a deux coffres. Un autre panier repas. Et un autre panier repas. Trop bien. C'est bon, je crois que nous avons fait le tour. Ah bah non, il y a un coffre là-bas que j'ai oublié. Oh là là, la poisse. On est obligé de faire demi-tour. Et il y a un autre coffre là que j'avais pas vu là sur mes yeux. Oh là là, faut faire refaire demi-tour les amis. Mince. J'ai oublié le... Ah bah il y en avait d'autres encore. Oh là là, bah j'en ai loupé plein en fait. Oh là là. Non mais franchement, hein, j'ai pas dû. Hein. Allez, on va continuer. Bon, c'est pas grave hein, de faire le tour comme ça. Hein. On en profite. Hein. Ça nous permet d'avoir au moins le truc à 100%. Et voilà notre ennemi. Ouf. Eh ben, il abandonne jamais, hein. Boum. Allez. Ah mais il esquive tous les coups. Ah bon, voilà. Et on a encore gagné. Allez, hop. On refait demi-tour. On revient là où il y avait des chaînes. On n'a pas encore atteint le fond, hein, juste pour vous dire, les amis. Et on descend encore. On est au niveau moins 3 maintenant. Alors ici, j'ai pas placé beaucoup de coffres. J'en ai juste mis là en fait. Pas de course activée. On a réactivé le pas de course. Oh, c'est là où se trouve la Père Jésus. Et qui c'est celui-là? Zut, voilà mes ennemis. Le grand chef avait raison. Ils étaient en route pour récupérer la perche des élus. Parce que t'es là aussi pour cette perche. Il a pas l'air commode celui-là. Non, il nous en veut on dirait. Qui es-tu? De toutes tes vies. Tant c'était là pour nous arrêter. Oh, voilà des humains très intelligents. Je suis Fernando. Je suis en... venu pour vous arrêter et bien sûr détruire cet objet par la même occasion. Non, cet objet doit pas être trop détruit. Je dois sauver mon maître à son état de vengeance rapidement et aussi de nos amis qui ont été capturés aussi. Pourquoi est-ce qu'il rigole? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Il n'a pas l'air de rire pour rien. Ce petit se prépare pas pour un affrontement. Eh bien nous aussi en avant. Idriss, Noemi, Tao et Mehin doivent affronter Ferdinando et Fernando. Oh! Hey! Te crois-tu assez malin pour essayer de me battre? Ok, donc j'ai réglé le combat.
Alors, juste 2 minutes les amis. Oh, attendez, je remets ça normalement. Je me mouche. Voilà, ouh, ça va un petit peu mieux. Malheureusement les amis, nous ne ferons pas le boss parce que le temps de la vidéo est écoulé. Je viens de regarder mon petit chronomètre, ça va faire un petit peu trop juste. Je voulais au moins l'objectif, c'est de traverser toute la croix pour pas qu'on perde trop de temps pour la vidéo ou la prochaine fois. Donc on va devoir s'arrêter là les amis. Vous allez devoir attendre la semaine prochaine pour le combat de Fernando et de nos amis. On verra ce qui va nous jouer comme tour. Donc je vais sauvegarder à gauche. Je retrouverai la playlist avant de vous retrouver l'épisode suivant la semaine prochaine. Ce sera tout pour aujourd'hui les amis. Ciao, bye bye et portez-vous bien.